Bonsoir à tous et bienvenue au téléjournal de la Saskatchewan. La province apporte son aide au Manitoba. Le service des incendies de forêt du Manitoba indique que la Saskatchewan envoie des avions citernes pour aider à combattre un important feu de forêt dans le nord du Manitoba. Environ 600 résidents ont reçu l'ordre d'évacuer leur maison et la propagation des flammes inquiète certaines personnes dans le nord-est de la Saskatchewan, tout près de la frontière. Par ailleurs, il n'y a pas juste la province qui offre son aide au Manitoba dans la lutte contre les feux de forêt. Des équipes de l'Ontario devraient les rejoindre cette semaine. Le ministre provincial de la Santé, Everett Hindley, a lancé une alerte après que plusieurs surdoses ont été rapportées à Prince-Albert, mais aussi dans les régions avoisinantes en l'espace de 24 heures. Tout a commencé lorsque des employés de l'entreprise d'ambulance Parkland ont répondu à 8 surdoses survenues à Prince-Albert et dans la nation Dakota-Wahpeton dans la journée de mercredi à jeudi. Le personnel médical administré de la naloxone dans 6 des 8 cas, des acteurs du milieu sur la réduction des méfaits, estiment que cette situation n'est pas surprenante. Je crois que c'est symptomatique d'une série de mauvaises décisions prises par nos gouvernements en matière de substances criminalisées qui vont affecter directement l'accès des personnes qui consomment à des services qui pourraient potentiellement sauver leur vie, en plus d'affecter un marché de la drogue qui est déjà largement contaminé. Donc non, il n'y a pas de surprise malheureusement. Le camp d'entraînement des Rough Riders de la Saskatchewan commençait aujourd'hui au Griffith Stadium à Saskatoon. Les joueurs ont foulé le terrain en préparation de la prochaine campagne dans la Ligue canadienne de football. Il fait suite au camp des recrues qui a eu lieu cette semaine pour évaluer les nouveaux jeunes joueurs de la formation. C'était d'ailleurs l'occasion de voir ou de revoir des nouveaux visages comme le nouvel entraîneur-chef et le retour du quart arrière Trevor Harris qui avait manqué à ses coéquipiers. Guys, the compete level was high. You loved it, even all the way down to the special teams drills. You love to see that. I thought it was an excellent day one. We practiced smart. I didn't see too many penalties out there, which is outstanding for a day one. Chef, question leadership. He's a big part. C'est une grosse partie pour nous. Donc, quand il s'est blessé et qu'il n'était plus là, c'est sûr que ça fait mal. Mais c'est aux joueurs de prendre, l'initiative. D'avoir plus de leadership aussi, mais en même temps, on est content qu'il est de retour, ça fait juste aider l'équipe. Voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Fatoumata Traoré et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.